dans la fin du deuxième secteur avec ce gros virage à droite. Assez pas facile à prendre. Parce que si vous le prenez pas très bien, vous ressortez pas très bien. Et pareil, c'est là où vous vous engagez sur cette grande ligne droite avec le DRS allumé. Et vous pouvez perdre quelques dixièmes. Allez, on en finit avec Monsieur Paraguay. Alors, je vais mettre. Voilà, donc premier tour de référence en 1:12.590. Alexandre. Alexandre qui a dû se louper parce que 1:21. Canada, Canada Dry. Attention, soyez prudent, para, on laisse passer. À moins que tu sois sur un deuxième tour lancé. Canada Dry, 1:12.484. Meilleur temps au tour. Kenshin, je sais pas si tu m'entends. Je sais pas si t'es là ou pas. Si jamais t'es là, bah au pire, envoie-moi une invitation pour le casque. C'est peut-être pour ça qu'on s'entend pas. Et je te rejoins et comme ça, c'est bon. Allez, monsieur El Poutros de retour. Après. Plusieurs grands prix d'absence. On espère que son retour sera bon. D'ailleurs, il a changé d'écurie. Il me semble qu'il était chez Alpha. Si je ne dis pas de bêtises. Ah non, il était chez. Ouais, chez Alpha Romeo, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, il n'était pas chez Alpha Tauri. Monsieur Poutros, donc 1:13.241. Excusez-moi, j'ai bloqué un petit peu sur le petit frère. Allez, on va voir ce qu'il fait. Je suis en train de mettre le live en même temps. Est-ce qu'on entend Kenshin? Je sais pas. Qui s'élance. Voilà, bien joué, on se gêne pas. Pour l'instant, Seb en pole position en 1:12.079. Canada Dry qui a toujours le deuxième temps. Para qui fait un bon temps quand même hein, pour l'instant. Et Anthony qui passe la ligne. Je pense à celui qui n'a pas de temps, mais c'est pas le deuxième.
Puis il s'est loupé. Je comprends pas. Il a dû mordre. Ah ouais, il a peut-être dû mordre. Allez, on va voir Kana si jamais il améliore. Chose toujours dans les stands, Régis toujours dans les stands. Il y a Darko, on va aller voir Darko. Darko qui signe la pole en 1.11.168. J'essaie de trouver le live et voir si jamais j'entends Kenshin, je sais pas s'il est là. Pour l'instant je suis tout seul donc allez on va voir Régis. Et là le problème c'est que. Bah si là c'est vrai. Il... Kenshin, tu m'entends? Régis qui finit son tour en 1.11.608 qui prend la deuxième place provisoire. Alexandre qui a signé le troisième temps en 1.11.874. Après nous avons Seb, Team Carlito, Canada, El Putros, Paraguay, Vaillant, Fafa. Et ceux qui n'ont toujours pas signé de temps, c'est Michoumil, Team Man 58 et Toti. Alors Klaus qui s'empare de la pole position en 1.10.841. Un super beau chrono de notre ami Klaus Coco. 4 dixièmes d'avance. Les deux Ferrari qui prennent en sandwich la Red Bull de Darko. On va voir où Michoumil va réussir à se caser. Ah, El Poutros qui rentre au stand, Monsieur Para. Son coéquipier Toti qui a pas de temps. On va surveiller les deux Alpides. Un très gros début de oula, petit travers de Toti. Très gros début de saison pour Toti cette année, une de ses meilleures.
qui marque un petit peu le pas là sur 2-3 courses depuis Monaco, où il n'a pas eu de réussite aussi. Donc on lui souhaite de faire une bonne course et de marquer de gros points aujourd'hui. Allez, il va terminer son tour. Il est parti 2-3 fois en travers. On va voir combien ça va lui coûter sur la ligne. Il passe en 13-360. Mais c'est bizarre et j'ai pas de temps d'afficher pour Totti. Ah mais il était en... Il avait mordu encore. Eh ouais. Ok, je comprends mieux. On va aller voir Monsieur Carlito. Un Totti qui arrive pas à avoir de temps. Michumi non plus, toujours dans les stands. 4 minutes de qualif. Voilà, à travers de Carlito en direct. Ah, s'il était dans un tour rapide, c'est foutu. Attention, il y a des voitures qui vont arriver. Canada Drake qui gagne une place en 11.996. Il descend en dessous des 1.12. Bien joué, Cana. Joli temps. Régis. Régis qui a signé le troisième temps. On va voir si. Il finit son tour, Anthony, ou pas. Toujours. Ah, bah c'est vrai que Michumi il fait pas les qualifs, c'est vrai. Je suis bête, je peux toujours attendre qu'il sorte. C'est vrai qu'il a pris une sanction et il ne peut pas faire les qualifs. Après, Teamman, je sais pas si c'est pareil ou pas. Oui, oui. Voilà pourquoi. Donc là, il y a que Totti qui a pas fait de temps. Qui a le meilleur chrono dans le deuxième secteur. Ah non, c'est Vaillant. Pardon, je dis des bêtises. Allez, Totti qui va terminer son tour. 7, 8, 9, 10, 11. Ah, 11.760. Ça, joli temps. Heureusement, Totti. 1.46 de la fin. Quatrième temps pour Totti. Magnifique. Il place son Alpine à une très, 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 très bonne place. Seb, il n'est pas dans un tour rapide, Vaillant. Vaillant 9e pour l'instant. 7 pilotes sont passés en dessous des 1.12 et un pilote a réussi à descendre en dessous des 1.11, Monsieur Kouskoko. Bien joué. Voyons, elle est plus dans un tour rapide. Allez, on va faire le tour avec le leader du championnat ER1. 8 courses. Donc 7 courses de fait parce que Miami a été annulé pour problème de bug. Donc c'est la 9e et 8 de fait et 8 victoires. Donc. Est-ce qu'il va réussir à améliorer? Ah, Totti qui a cassé. Ou il a abandonné, ou il a cassé. Non, je pense qu'il a cassé, je pense. Mais bon, ça va, il a fait un beau temps. On va voir si ça va tenir jusqu'à la fin. Il reste 10 secondes. Tout le monde est dans un tour rapide.
Kenshin, si tu m'entends, je sais pas si t'es là ou pas, envoie un message sur Discord, comme ça je verrai si t'es connecté ou pas. En tout cas, là je vois qu'il y a Team 40, Team Mika 40 et puis Sopako, donc bonsoir à vous les gars, merci d'être avec nous. Ouais, comme il dit, team 40, team IK 40, les pénalités, elles sont faciles à voir sur ce circuit. Alors, on va voir si Claude s'il améliore. Une 10-301, oui. Il a encore amélioré de une demi-seconde quasiment. Un tour magnifique. Donc, Seb aussi a dû casser ou il a quitté. Donc, alors, on va faire vite fait un topo, tout le monde est passé à part Parra, qui est peut-être dans son. Ah non, bah pareil, il est à l'arrêt, donc c'est fini. Donc, pole position de la Ferrari de Kluz-Coco en deuxième ligne d'Arco. Après, nous avons Régis, Team Carlito, Totti, cinquième. Super belle qualif de Totti aussi. Carlito aussi, belle perf, quatrième. Seb sur Williams, Alexandre, le second d'Azerbaïdjan, par septième. Donc, c'est quand même aussi. Une bonne position sur la grille de départ. Canada Dry 8ème, Vaillant 9ème, El Poutros de retour fait le 10ème temps. Para bien 11ème, Fafa peut-être un petit peu décevant, la Stand Martin pardon, excusez-moi, en une 12-628. Et donc Michoumi, les team Man, je pense que Michoumi, je suis sûr, après Man, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, pardon, excusez-moi, Michoumi, je suis sûr qu'il avait une sanction de qualification due à un accrochage à Azerbaïdjan. Donc voilà, bravo Klaus pour ta pole position en une 10-300, t'as mis tout le monde d'accord. Et nous avons Darko qui a fait un super chrono aussi en une 10-680, donc qui est descendu en dessous des 11. On va avoir encore une belle bagarre entre les deux. Voilà, les qualifications ER1 sont terminées. Bravo, bravo messieurs pour ces belles qualifications. Et Carlito, hein, joli hein, avec la McLaren, hein, un beau temps aussi en 1.11.603, bravo monsieur. Régis en 1.11.023, il était vraiment pas loin de descendre en dessous des 11. Ah, ça roulait fort, hein. Ça roulait fort ce soir.
Ah, tour de Ils ont chauffe remis le encore. tour de chauffe. Oui, Ah ils ont ouais. remis le tour de chauffe. Alors attention. J'espère que ça va Donc, pas. Ah, oh là, Totti il qui y est en a un parti qui est de parti. travers, c'est Bah, c'est Totti. Totti. Bah. Ouais. Bah, ça glisse à Montpellier. Bah, ça glisse sur la piste aussi. Bah alors. En Ah non, Ardèche, là, c'est. super. C'est qui? C'est Super pas Totti? département, ça. C'est beau, ça. L'Ardèche, magnifique. Non, ça y a eu un bug encore, toutes les voitures elles sont là. Ah bah je sais pas, moi je t'assure je suis sur Totti et Ah puis ouais, là, ouais, non, il est c'est derrière, mon ouais. piste. Ah ouais, il est derrière. Alors, changement de position, non. Pneu. Faut qu'il rattrape pour Ah pas se bah y en prendre a une qui en ont pénalité. profité pour changer de stratégie, les petits rusés. Au Darko il niveau des était pas pneus. en hard tout à l'heure, hein. Ouais. Alors, on va voir. Il s'est aligné sur Ferrari. Pneus. Ah ouais. Ça a changé de stratégie. Après, ma foi, il y a eu un bug. Par contre, oui, c'est permis. Par contre, Alexandre et Vaillant, ils sont restés sur leur pneu soft. Ouais. Et Cana, je sais plus s'il était en hard ou pas tout à l'heure, je me souviens pas. Si peut-être. Si, il y avait un. Si, il était en hard. Il y avait un. Entre les deux rouges, il y avait des pneus blancs. Donc ouais, t'as raison, il n'y a que Darko qui a changé. Donc Ça si c'est Darko parfait ça. tient le rythme de Klose, ça veut Ouais, dire mais qu'on aura une attention. bataille avec les pneus jaunes. Attention au départ en hard. Mais bon, il avait bien réussi son départ hein, tout à l'heure lors de la première du premier faux départ. Enfin, c'est pas un faux départ, mais du premier départ qu'on a dû de la première session. Il avait bien réussi son départ, Marco. Mais ah, Seb disqualifié. Ah oui. Et c'est marrant, je sais pas si tu le vois, mais la Ferrari de Coscoco, elle est de travers au départ. Tu sais, Ouais, façon Verstappen. Oh, regarde! mais c'est peut-être lui, hein. Ouais. Ça y est, Alors tout le monde est attention. sur la grille. Là, ce coup-ci, c'est parti. Alors Allez. attention, est-ce que. Pas de bug. C'est bon, c'est parti. Oui, tout le monde Bon part. départ. Attention, très bon départ de Coscoco. Oula, Darko ça se le touche. Il y suit. a un accident avec les Alfa Romeo. C'est parti. Voilà, hop, c'est Oh là parti. là, et Et encore! voilà. Ouais. Canada Dry. Canada Dry dans le Non, mur. c'est El Poutros. El Poutros, El mais Canada Poutros, Dry il mais ouais, pèse pareil, la il main, a. Ouais, il a eu un problème. il s'est fait taper aussi. Michumil qui a fait un super bon départ, qui Oh part la vache, de il était l'avant-dernière place 7ème. et il est déjà 7ème. Il Totti qui a arrive gardé sa à. cinquième place, Carlito, Régis Darko, pareil, ça n'a pas bougé. Sur Ouais. les 5 premiers, Seb, sur les 6 premiers, ça n'a pas bougé. Ah non, mais c'est le départ de Michumi, la Ouais. Trinity doit être aux anges. Ouais. Gros départ de la Red Bull. Alors Alexandre, il n'a pas bénéficié de ses softs. Et Hein. Eman aussi, hein, qui a fait un bon départ, il a gagné 3 places, Et hein. 11e, effectivement. Bah oui, mais il y a eu aussi des problèmes avec les Alfa Romeo devant. Ah, Fafa qui se. Non, c'est Alexandre qui se montre, qui va tenter l'intérieur sur Michumi et ça passe. Joli dépassement de l'Aston Martin. Oui, il profite de ses Impeccable. softs. Ouais. Évidemment, il a Impeccable. intérêt. Très très propre le dépassement sur cette partie-là qui est pas évidente. Bien joué, messieurs. Et de suite, il est très agressif sur Seb et ça Seb! passe. Bravo, 2 places de gagné Oh, par attention à la Alexandre. chicane, attention à la chicane. Ah, Oh là, il y a une c'est pas. Alpine qui a coupé. C'est C'est Parra, qui? C'est Parra? Ouais. qui a coupé. Alors là. Et Klose Coco déjà qui met un petit espace là entre lui et les ailes. Secteur Oh, 3. drapeau jaune, c'est qui? C'est qui? Ah, C'est qui? c'est El Poutros. C'est El Poutros. Allez, on. Eh bah c'est déjà animé déjà. Alexandre, 6ème, hein, franchement il a doublé 2 voitures, bravo Alexandre. Et là Ah il est oui. très agressif là sur l'Alpine. Et il va certainement Ici. s'en. Ah oh là Oh là, il est parti en travers. la petite raquette, Et ouais. Attention c'est derrière, il y a trois Michumil qui en voitures. profite sur Seb. Eh oui. Le petit coup de raquette là de l'Aston Martin. Et là, c'est mortel, il y a 5 bagnoles Ah ouais, c'est chaud là, c'est en moins de 100 attention là. mètres. Ah ça va, tout le Voilà, monde s'est bien c'est le rangé. groupe qu'il faut surveiller. Tout le monde s'est bien rangé. Alors il y a Seb qui se fait attaquer par Vaillant. Vaillant aussi qui veut profiter de ses softs. Attention, Seb qui protège l'intérieur, Vaillant extérieur. Ça passe Oh, pas. il a glissé aussi. Il a glissé. Non, les softs. Et Bad qui se rapproche aussi. Là qui est Bah oui, mais très surtout très il proche. est. Tout à fait, il est sous la menace de man maintenant, Vaillant. Et Fafa aussi qui se rapproche aussi. On se rapproche. Il fait froid alors on se rapproche. Hein. Meilleur tour, une 15 549 Darko. Marco, ouais.
Darko qui veut recoller à Cuscoco parce que Cuscoco il essaye de faire le trou déjà. Bon bah ça a bien été animé là pour les premières les premiers tours. Donc ça n'a pas bougé hein, de la première à la cinquième place. Alexandre qui a gagné une place finalement. Et Michoumil qui est septième. Gros départ de Michoumil. Les quatre premiers se tiennent dans un mouchoir de poche. Secteur 3. Le drapeau jaune. Poutros. Poutros abandonne. Il a cassé. Ah là là. Bah, pour son retour, ça n'a pas duré longtemps, mon pauvre Poutros. Ah ouais. Et donc, troisième. Trinity va être déçu. Mais c'est cool quand même d'être revenu. J'espère que tu lâcheras pas et qu'en janvier, on te reverra. Ouais, allez, bah ils sont plus que 13. Secteur 1, drapeau jaune, c'est qui? Ah, si, à la voiture de sécurité. Non? Non, c'est peut-être quand les pilotes sont passés près de l'abandon d'El Poutros. Ah bah ouais, c'est dans le secteur 1 qu'il a cassé, donc ok, ouais. D'accord. Ah, c'est au bout de la ligne droite. Bon bah il a la trêve pour ça prendre est, du recul. Drapeau vert, c'est bon, c'est reparti. C'est reparti. Cuscoco en tête devant Darko. Il en a profité pour ce drapeau jaune pour se rapprocher. Ouais. Régis 3ème, Carlito il est là, une seconde petite toujours 5ème. Alexandre 6ème avec ses softs. Attention Michoumil va commencer à faire chauffer ses médiums et à revenir sur lui. Seb est 8ème, 9ème Vaillant assez menaçant derrière. Là il faut qu'il profite les deux pilotes qui sont chaussés en soft. Et Lactoti qui s'est fait détacher par Carlito et il a une petite seconde d'avance sur Alexandre, donc on va voir si les softs vont être plus performants. Et donc le R1 qui est avant le R2 cette semaine dû au trou qu'il y avait eu à Miami pour pouvoir le faire. Il me semble qu'ils le font quand, tu sais pas, non Kenshin? Quand est-ce qu'ils le font le GP de Miami? Non, là de mémoire, je sais pas. S'ils le font pas la semaine prochaine? Ah non, c'est le dernier Grand Prix là, je pense. Tu crois qu'ils enchaînent avec Miami? Ben, je crois qu'ils le font pour après repartir en janvier normalement, je crois. C'est pour ça qu'ils ont décalé le GP, je crois. Mais en tout cas, des bêtises. Nous donne l'explication sur le chat. Aileron arrière rouge, chaque freinage la voiture partait en couille, donc voilà. Ah merde. Bah dommage, elle peut trop. Ouais, on t'a tapé dedans. Quelqu'un t'a tapé, tapé au départ. Tu sais, c'est le comment dirais-je, ce qu'on a vu à l'image au départ là. Oui, il a tapé l'arrière de la voiture. Ouais. C'est quand il est parti. D'accord. Suite à contact, je sais pas comment ça s'est passé. Et puis après les longs arrières, après c'est marrant. Ouais. Surtout sur un circuit comme ça. Oui. Bon. Darko est toujours à moins d'une seconde de plus et Régis toujours à moins d'une seconde de Darko. Non, Miami c'est en janvier. Ah d'accord. Donc là c'est. C'est les deux derniers Grands Prix de l'année pour en F1. Et il y a le Grand Prix du Japon en French Cup le 23 décembre, bah, dis donc, pas loin de Noël. Darko là il est très proche, hein. Très proche, il est revenu à 3 dixièmes, il est dans l'échappement de Plus. S'il arrive à garder ce petit écart dans la ligne droite, il peut passer. Hein. Darko il a 95% en ERS et Klus toujours à 100%. 98, 97, il en utilise un petit peu. Toujours à 4 dixièmes. Et Régis à 4 dixièmes aussi de Darko. Oui, El Poutros qui était victime au départ de. C'est bloqué entre deux voitures, il nous raconte. Et après, on m'a foutu dans les choux et ça a tapé le mur. Voilà. Pour un super départ, c'est vrai que les départs, il y a toujours. Parce qu'il y a toujours un problème. Il était pas assez proche, Darko, dommage. Il a 2 dixièmes.
Ça dépasse là. Paragayan. Attends, c'est Fafa qui se fait passer par Canada Dry. Ah ouais, et il y a Fafa qui est derrière. Il est passé Canada Dry. Et Fafa est derrière, mais pas menaçant pour l'instant. Et Darko qui colle bien à Coco. Hein, ouais, ouais, il était à 3 dixièmes tout à l'heure. Michumil qui vient de passer Totti. Ouais, on voyait Michumil et Alexandre aussi qui a passé Totti, ouais. On n'a pas vu. Ouais, un petit peu en difficulté. Ouais, il était en difficulté, on a vu. Il s'est fait vite distancer par les 4 premiers. Et bah, on a vu que les pneus rouges de Alexandre ont fait la différence sur Totti. Et là, bon, après Michumil, hein, il est à secteur 2, drapeau jaune, secteur 2. C'est Para ah. qui a fait une erreur. Il a dû spinner. Partir de travers. Ouais. Heureusement, enfin, je le vois pas, il n'a pas l'air d'avoir des dégâts. Attends, tu regardes la vue extérieure, non, il y a les ailettes. Mais bon, des fois, c'est trompeur aussi, ça. Mais bon, on va voir s'il s'arrête ou pas. Mais normalement, il doit pas avoir trop de dégâts. Il devrait pouvoir continuer. Alors que Darko se rapproche dangereusement de Touskoko. Il est à 3 dixièmes. Ouais, ouais, tout à l'heure aussi, hein, mais le problème, et c'est Michumil, que... Michumil qui passe Alexandre. Avant la chicane, ouais, bien joué. Après la ligne des stands, et c'est passé pour le pilote Red Bull. Bien joué, hein. Bien bravo, Michou. Ouais. Peut-être que déjà les softs perdent en performance, puisqu'il y a de la menace là derrière Alexandre. Il y a Totti qui est revenu, il y a Seb qui entraîne Seb, Vaillant. Ouais, il y a aussi la performance pilotage. Michou il fait partie des 4 meilleurs pilotes du plateau ER1 et. Et déjà de partir de la 14e, enfin de la 13e place et en moins de 8 tours, ah il oui. est déjà 5e. C'est que, quand il est dans le jardin, le gars il a des doigts quand même. Hein. Alors, il y a Totti, hein, Totti qui veut reprendre sa place, il s'est repris là. Et... Sur Alexandre. Oh, Alexandre qui a retardé son freinage, il a failli emboutir ah. Michumil. Ouais, parti un peu large. Franchement, il a dévié, mais ouf. Et ça met ce freinage a mis Totti en difficulté sur oui. Seb. Tout à fait. Qui s'est rapproché très dangereux. Et voilà, il porte son attaque. Est-ce que ouais. ça va passer? Oui, ça passe. Et ouais. Voilà, le freinage de Alexandre a pénalisé Totti. C'est passé, mais peut-être il a pris un avertissement en passant le Seb. Parce que j'ai l'impression qu'il avait coupé. Peut-être j'ai mal. Oh, c'est assez vaillant qui est menaçant aussi maintenant sur Totti. Ouais, ouais, ouais. Il y a déjà Darko, il a pris pénalité et Paraguay pénalité. Hein. Darko, il a déjà. Déjà, ouais. Ouais, et ça va jouer gros sur la balance. Ah, hein. Ça, c'est. Ah, c'est... mais il est piégeux ce circuit. Hein. C'est dur de pas en avoir. Hein. Ceux qui vont finir sans péna, c'est déjà un exploit. Si tu veux battre Touskoko, il faut vraiment être vierge au niveau des pénalités. Parce que Touskoko, c'est rare qu'il en ait. Et donc, du coup. Là, c'est pris un handicap, Darko. Et Totti, maintenant, autour de Totti aussi, il se prend une pénalité. Ah ouais, boum. Comme tu dis, ouais. Attention, parce que je te dis, ça peut peser lourd en fin de course, on verra les écarts. Là, Sopaco, il a anobli Darko sur le chat. Et Darko, meilleur tour, une 15-319. Ouais, il les enchaîne. Hein. Et 3 Alexandre secondes de pénalité. Pareil. Là, là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Grand Prix avec les pénalités qui tombaient si rapidement. Ouais, hein. Ouais. C'est vrai. Bon, Alexandre voilà. qui va avoir du mal à résister à Seb. Darko qui est très proche aussi là. 3 secondes, 3 dixièmes, pardon. Seb qui fait une belle course avec ses médiums. Ouais, ils sont très proches, hein. Seb, Totti, Vaillant, ils sont à moins d'une seconde. Donc grosse pression sur Alexandre, là t'as trois pilotes qui veulent prendre sa place. Et après il y a un petit trou de 2 secondes 4 sur Man 58. En tout cas la deuxième place de la semaine dernière lui a donné des ailes, hein, parce qu'il... Ouais ouais, là, ça va mieux, il a pris confiance en lui et tu vois ça... S'il se concentre et qu'il fait moins d'erreurs, il peut jouer à chaque fois facilement le top 5. Il n'y a pas de problème. La Régis qui est très très très
menaçant aussi sur, sur Darko. Darko très proche aussi à 3 dixièmes et c'est pas assez pour pouvoir passer. La ligne droite est trop courte. Ça va être dur de passer. Là, il est très proche, il est dans les échappements, il est à 2 dixièmes. Ouais. Là, il faut pas qu'il fasse d'erreur, Darko. Une deuxième place, c'est pas si mal que ça. Après, peut-être qu'il aura une opportunité. Ça m'est passé, tu l'avais dit. Ouais. C'est pour ça que je suis revenu dessus, ouais. J'étais sur le chat, alors des fois, je... Ouais, ça m'est passé. La Toti qui est dans les roues d'Alexandre et de Seb et il a une seconde de Vaillant. La attaque de Seb sur Alexandre s'est passée pour le gain de la sixième place. Toti qui a touché la voiture d'Alexandre, qui a dû être surpris par son freinage. Il n'y a pas de casse apparemment. Non, pas de casse et surtout Toti il aurait pu être déventé. Heureusement il a bien rattrapé mais... Bah ça se bagarre là pour la 8, 7, 6. Même la 9 hein, parce que Vaillant est là. Il est dans le DRS. Dans la course, ouais. Il est dans la course. 7 dixième. Elle est très proche la Toti d'Alexandre. Ouais, et il va attaquer. Contact, là. Ouais. Et non ça passe pas. Team Carlito, 3 secondes de pénalité aussi. Les pénalités ouais, qui tombent. Là si tout le monde en a, ça annule les pénalités quoi finalement. Si tout le monde a fini. À 3 secondes, ça annule les pénas. Donc pour l'instant, 1, 2, 3, 4, 5 pilotes. 5 pilotes avertis déjà. Je te mets un billet que Close Coco il va pas avoir de pénalité. Moi, je ouais, c'est un billet facile celui-là. Ouais, ouais, pas de risque. Hein. Et Darko qui resserre encore l'écart. Oula, Darko, 1 dixième. Très proche. Et Para, 3 secondes encore pour pilote Alpine. Para qui est dernier, 13e. Pénalité, 6 secondes ouais, pour Para déjà. Et il y a Régis aussi, ça avec Darko, il est sous pression de Régis. Et Régis qui déborde. Ouais, ça fait déjà deux tours qu'il se montre. Hein. Ouais. Les deux sont très proches de Klaus. Hein. Pour une fois, c'est Darko Jones, c'est une Aston Martin ou ou Canada Dry. Je pense que c'est Cana. C'est Canada Dry. Ouais, parce que Fafa est passé. Et c'est pour une fois c'est Klaus qui fait le bouchon dis donc. Parce que là c'est difficile de passer, hein. Il n'y a que dans la ligne droite. Et t'es même à 3 dixièmes hein, parce que depuis tout à l'heure il a 3 dixièmes, 3-4 dixièmes maximum de Klaus et ça passe pas donc. Peut-être qu'il est plus léger en aéro Klaus et que la voiture est plus rapide. Faudrait regarder les vitesses de pointe. Je crois qu'il est en train d'essayer de faire une stratégie à deux là avec son coéquipier. Il est en train de mettre Darko pression. En difficulté ouais, en sandwich. Je pense que le Klaus Woko, une fois de plus, maîtrise son sujet. Ouais. Je pense qu'il a déjà un très gros rythme et que si Darko veut le doubler, il va falloir qu'il prenne du risque. Et même s'il se fait dépasser, je pense qu'il ne se mettra pas la pression, il sait qu'il aura l'opportunité de pouvoir. Alors attention, là, cette chicane, on peut vraiment faire des erreurs aussi. Ah, elle est trop dure. Celle-là, je l'aime pas, et la deuxième non plus, je l'aime pas. Non, celle-là, moi, je la déteste. Celui-là, ce virage, je l'aime bien, ça va. Après, celui-là, on aveugle, elle est un peu galère. Ah là tu peux couper hein. Ah, ça celle-là elle t'est très tendée, tiens je me demande ça il a pas coupé Darko d'ailleurs. Et celle-là alors j'aime pas celle-là. Ah, moi celle-là j'aime pas. Là le virage là à gauche là. Et là à peine sur accélère là tu l'as pas. Ouais. Toujours très très proche. 2 dixième, 3 dixième, 2 dixième. Et Carlito qui tient toujours sa quatrième place hein. Il est un peu tranquille, tiens, un Canada Dry. Il s'est pris une pénalité. Allez, encore un pilote de plus, ils sont 6 maintenant. Darko, là, il est très très proche Darko là. 3 dixièmes, on va voir si 3 dixièmes ça suffit. Ça suffira allez, pas. Est-ce qu'il va mettre il utilise pas son ERS, juste le DRS.
Il en manque un petit peu, il faut qu'il soit à 2 dixièmes. Et là, il a 2 dixièmes dans la ligne droite, mais la ligne droite est beaucoup plus courte. Et là, non, ça passera pas non plus. Un Ferrari très rapide. Peut-être avec un peu moins d'aéro que Darko. Qui lui permet. Close, il a 79 en ERS et. Merde. Darko il a 71. 71 ouais, c'est kiff pour Darko. Et Kuskoko 80 ouais. Et une petite un petit avantage. Et Régis pareil que Darko 78. Bon bah ils ont fait le trou déjà eux. 9 secondes Carlito, ça y est, il a réussi à tenir quelques tours, on va dire 3-4 tours où il était dans la seconde. Et bah là il y a presque 10 secondes qui se sont installées. Par contre Michoumil revient très fort sur Carlito, il est dans la seconde hein, Michoumil. Hein. Oui, Seb est toujours remonte, à 2 secondes 8 mais ça y est hein, là Michoumil il est dans quelques tours va attaquer Carlito pour la 4ème place. Il remonte avec des bottes de 7 lieues là vers Michoumil sur sa Red Bull. Ouais. Tu voudrais aller aider son coéquipier. Tu peux aller voir toi Kenshin des temps tour. En allant dans paramètres et tout ça, tu vas dans paramètres, directeur de course. Moi ouais, c'est pour pas qu'on le voie sur le live si je le fais. Ouais, bien sûr. Et comme ça tu. Si tu veux ça. Tu vois, tu veux savoir. Les temps de Michoumil par rapport aux trois premiers. Ah. Pour voir s'il est réglé dans ce tour et s'il revient. Alors, ah, il a 7 dixièmes. Michoumil, ah oui, il est en ce moment autour de 1,16 avec, il est même descendu à 1,15,599, alors qu'au départ il était à 1,25. Darko, encore 3 secondes de pénalité encore, 6 secondes Darko. Oui, il est régulier. Entre 1,15 et, oh, il est très régulier Michoumil, c'est. Et autour d'une 15, une 16, tu vois, entre une 15 et une 16. Après, et Régis. Tour, ça, c'est normal. Et regarde, Régis, ouais, regarde les temps de Régis pour voir. Régis, il est. Alors lui, il est très régulier en une 15. Hein. Il n'y a pas de une 16, c'est du une 15. Et puis il y a des centièmes, hein, bien sûr, mais très, pour l'instant, très régulier et très rapide, Régis. Coco. Il y a une 15 aussi, une 16 dans le dernier tour, Soko. Et Darko, il est une 15 aussi, et pareil, comme il est à la poursuite de tout Soko, il y a une 16 dans le dernier tour. La faute de Alexandre et Totti qui passe 7ème. Faute dans le premier virage sur le droit, il a glissé de l'avant. Et Totti. Pour Régis. On a profité. Ah, Régis. Ouais. Donc les 2, 3, 4 sont avertis. Klaus Coco n'a toujours pas de péna. Michoumi, Seb et Totti n'en a une. Michoumi, Seb n'en a pas. Man 58 n'en a toujours pas. Fafa et Vaillant n'en ont toujours pas. Et Darko est passé 3ème. Ah, on n'a pas vu. Mince, j'ai été déçu pendant un bon moment. Il s'est fait passer par Régis. Ouais, exactement. Bien vu. Bien vu, Kachin. On n'a pas vu le dépassement, désolé. Dommage, ouais. Je reste un moment sur vous. Et maintenant, tu vas voir que Klaus Coco, il va tirer Régis. Ouais. Il a eu ce qu'il voulait. On n'a pas vu celui-là, derrière. Mais on a vu celui-là de l'Alpine sur la Aston Martin. Il y a quand même eu un dépassement. Mais Darko n'a pas descendu dernier mot. Alors, est-ce que c'est une petite erreur qu'il a faite? Ou est-ce qu'il l'a doublé parce que Régis était très, très, très proche? On va voir si Darko... est capable de reprendre bah oui, avec les rouges 18 tours, hein, c'est pas mal. Hein. Sur un circuit qui est. Où t'es à l'attaque. Ouais, comment ça se fait que c'est marqué 16 tours? Et il remet des rouges d'ailleurs, il remet des softs le pilote Aston Martin. Ouais. Yana qui prend la 9ème place, Fafa qui prend la 10ème place. Et Vaillant qui passe aussi, il ressort 12ème. Et Para qui a dû faire plusieurs erreurs, s'il est déjà à 26 secondes. Allez, Para, accroche-toi, fais pas d'erreur. Il se retrouve juste derrière Vaillant qui était repassé par les stands. Ouais, attention, Darko très très proche. Ça, c'était limite dans le gros droit à 180.
Ils arrivent pas à partir les Ferrari. Pour l'instant, Zarco tient toujours le wagon, le train rouge. Et Michoumil qui est toujours très proche de Carlito. Qui passe pas non plus. Ouais, c'est deuxième, il n'arrive pas à revenir. Les pneus aussi, qui Et doivent commencer à se dégrader. Alexandre qui va vouloir passer Vaillant, parce qu'ils ont pas, ils sont pas sur les mêmes gommes. Totti, 3 secondes de pénalité, 6 secondes pour le frérot. Aïe 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 aïe, aïe. ça s'accumule, ouais. Hein? Et Alexandre, attention, il devient très menaçant là, derrière la Mercedes de Vaillant, il Ouais. va avoir le DRS. Est-ce qu'il va tenter un dépassement avant la chicane? Non. Il faut qu'il soit Non. patient. Ouais, C'est mais. là où il faut qu'il progresse et il est en train de les faire ses progrès justement, tu vois. Là, avant il aurait peut-être attaqué, là il attend, il sait qu'il a des pneus frais. Voilà, il va pas pouvoir résister longtemps. Au pire dans le deuxième secteur, à la fin du deuxième, ben, pardon, à la fin du deuxième secteur, là où t'allumes le DRS, il pourra passer s'il est bien proche. Il sait qu'il a la vitesse. Et puis comme tu dis, 20, enfin 19 tours pour Vaillant et des pneus rouges neufs. Normalement. Alors Vaillant, il est repassé par Estande, hein, il a des médiums de 5 tours, mais Ah oui, c'est vrai que j'ai pas vu, pardon. Ouais. J'ai dit bêtise. évidemment, avec Darko qui repasse Régis, merde. Et Ah, il est gagné premier. Darko! Ouais. Ah, Klaus Attends, qui non, enfin, repasse. c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas Là, je suis fini. dessus. Klaus qui est repassé. Ah oui, là là, grosse bataille, là. Ah, dommage, là. On va rester un peu sur eux, alors en espérant que ça va se Ouais. redoubler. Et puis voilà, Alexandre a passé Vaillant. Ah putain. Il y a des fois on est pile poil au bon moment Ah et. bah ouais. C'est des fois on a eu des accidents pile poil au moment où ça arrivait. Donc là on en était pas loin. Il y avait quand même quelque chose qui se passait entre Vaillant et Alexandre. En tout cas, Darko a récupéré sa deuxième place. Il a été premier à microseconde. Et là il attaque. Ouh! Là il s'est montré. Il a montré le museau. Très pressant le pilote Red Bull. Ah, il est chez lui. Il voudrait Qui, qui, éblouir qui. son public. Voilà, il montre ce soir qu'il va pas. Ça va pas être facile pour les Ferrari. Il va falloir être bon. Et c'est bien, ça nous donne des indications aussi pour nous. Des Ah, il va pilotes. peut-être doubler là avant la Ah, là, il est chicane, très il proche, était là, il est collé très dans la très bonne proche. vitesse, Et oui, il il se attaque. montre, Non. à l'intérieur. Ça passe pas. Allez, Ah, allez. peut-être Ah, là à ouais. l'extérieur, voilà. Attention s'il y a une meilleure traction. Et Et Kouskoukou attention là, qui est ça va à être chaud. fond Merde. et qui voilà. Non, il a dû Ça lâcher va là lâcher. le pilote Red Bull. C'était bien tenté. Tout ça en hard, hein, s'il vous plaît. Ouais, et comme je te disais, Et ouais, ça nous. Carlito, 3 3 secondes. secondes. Ça nous. Ah, tête à queue de Darko. Et voilà. Ah bah voilà. Tu vois, encore une erreur. Dommage. Et là, il perd beaucoup de temps. Là, malheureusement, il va repartir à 10 secondes facile. Ah oui, Et Team voilà. Carlito qui revient à 2 secondes, 1 seconde 8, 1 seconde 7. Oh là là, il y a Michoumi et Team Carlito qui arrivent comme Ah des là balles. là, et Attention à oui. la surchauffe de pneus. Vaillant, 3 secondes de pénalité. Il Ah, a il pris reste des plus que risques. 4 pilotes. 4 pilotes sans pénalité, 5 pilotes sans pénalité. Ah bah les pilotes Ferrari qui doivent être aux anges là. Ils sont débarrassés de leur Bah on va voir leur. parce qu'il avait l'air d'être plus rapide Darko, donc là bon, il a plus personne Ouais, devant, il mais n'y a que lui et sa voiture. il y a 9 secondes et Bah c'est on va voir, on va surveiller le chrono. Carlito au stand déjà Michoumil qui avec passe les quatrième, médiums. Seb qui passe cinquième, Totti qui passe sixième. Et Ah normalement oui. il devrait ressortir avant Cana, normalement. Il rechausse des blancs. Enfin il chausse des blancs, pardon. Il était en médium et il chausse des blancs. Bon bah. Michoumi qui a rejoint son coéquipier, mais pas comme il le souhaitait. Alexandre, meilleur temps au Alexandre, tour, mais une ouais, 14-6. 1:14:645, ça montre la détermination du pilote Aston Martin, c'est Ouais. bien. Il revient Il à est 1 seconde conscient. 5 et il a mis 3 secondes à Vaillant en quelques tours. Bon, c'est différence de pneus aussi. Ouais, mais Mais il en faut quand profite. même le faire quand même. Faut quand même le faire, ouais. Ah oui, c'est pas parce que t'as des rouges que tu vas forcément aller plus vite que celui qui a des jaunes. Oh!
Il est parti à la faute là, non? Si, il est parti à la faute. Ah non, je croyais. Alexandre, non. Ah putain, j'ai eu peur. J'ai eu un effet d'optique. Par contre, on a Tim Eferman qui revient fort sur Fafa. Ouais, je suis sur Fafa là. Parce que bah, Fafa, il est encore sur ses médiums du départ. Ouais, 21 tours, 31 tours. Et Man, lui, il vient de chausser des médiums neufs. Donc, ouais, ça devrait le faire. Ça devrait passer. Régis, 3 secondes. Encore 3 secondes. Allez, boum, ça voilà fait combien qui... 6, 3, 3, 3, 6. Eman qui dépasse Fafa avant la chicane, l'entrée des stands, c'est fait. Et il remercie Fafa pour. Alors, soit je sais pas, pour son fair play, c'est-à-dire qu'il a pas trop insisté. Canada Dry, 3 secondes. Ah, ça pleut, hein. Ouais, ça va finir à 10-12 secondes, hein, si ça continue. Ouais, il est, c'est dur, très dur. Et puis eux, ils ont pas l'aide, hein. Je peux dire qu'il faut être en plus de ça souple avec la pédale d'accélérateur, donc. Ouais, ça c'est. Ah, c'est encore plus chaud encore. Fouah. Darko qui revient à 8 secondes 7, hein, il a gagné presque 8 secondes. Michumi les 7 au stand. Au stand, voilà, Toti qui prend la 4ème place. Qu'est-ce qu'ils vont chausser, les amis? Alors, on met remet des hards pour Seb. Ouais. Et Michumi, il part en blanc. Des médiums. Ils vont repartir devant Carlito ou pas? Non, je pense que Carlito va passer. Il est passé. Non, il repasse devant. Aïe aïe aïe. Non. Ça a failli s'accrocher avec Seb. Ouh, ouais. Ça a été chaud. Heureusement que Seb il a anticipé parce que ça se touchait. Et ouais, les pneus froids, elle est dure cette sortie. Et là c'est chaud là entre Alex Canada Dry. Ouf, une raquette là de Seb. Les hards sont froids. Et Alexandre sur Canada Dry. Et Cana sur. Sur Seb, ben oui, Seb. Il y a les trois voitures là. Darko qui revient comme une balle. Hein. Il a oh Alexandre, ah, Alexandre. Oh, il va peut-être profiter de l'erreur. Attention Canada Dry, il s'est loupé. Il a un peu raté son freinage. Ouais. Darko fait son arrêt au stand. Hein. Ouais, je vois sur le. Il a chaussé quoi? Il a rechaussé des. Jaune. Je vais chercher le jaune. Bon Alexandre il va peut-être attaquer Canada Drive, mais il a le DRS aussi Canada Drive parce qu'il est derrière Seb. Il se montre pourtant Alexandre. Est-ce qu'il va y aller? Il retarde son freinage? Non, il se ravise, c'est bien, c'est ça, attention. Comme tu dis, il fut un temps où il serait allé. Oh il a croisé, c'est joli là de la part d'Alexandre. Sur sa sortie. Magnifique, magnifique manœuvre. Il a croisé, il a bien préparé. Canada Drive très propre. Parce que c'est pareil, hein, quand tu te fais doubler, c'est pas toujours évident de rester bien sur ta ligne. Et là, voilà. Ah, mais un beau dépassement, c'est. T'as le dépasseur et t'as aussi celui qui s'est dépassé. C'est les deux protagonistes. Alors que Klaus Koko, le leader, s'arrête au stand à son tour. Chose des médiums. Des médiums, même stratégie que Darko. Toti qui rentre au stand aussi. Donc Darko, Michumi, tout ça, ça devrait repasser. Est-ce que Seb. Ouais, ça va. Et on remet des médiums pour le pilote Alpine. Ouh, ça va être chaud à la sortie là. Ça va être chaud. 8ème, 7ème, 6ème. Et il va rester devant Seb. Ouais, ça va être chaud avec les pneus froids. Ouais, ouais, bien joué Seb. Il fallait insister. Attention le frérot. Faut pas tout perdre. Ouais, c'est bien.
Ouais, il va être en difficulté. Alex, il va passer certainement avec ses pneus soft. C'est pas grave. Oh là là, Alex, Et voilà, il passe sur joli. l'extérieur. Il est chaud bouillant, Alex. Ouais, Totti a raison Bien pour joué, voilà, il lui, faut ses pneus attendre. sont froids, c'est pas la peine Ça de sert. tenter le diable. La course est Voilà. encore longue, hein. On est au Exactement. 26e tour. Voilà, là maintenant, il faut qu'il essaie de garder la petite avance qu'il a sur Cana. Il a le temps de chauffer ses pneus et se relancer, reprendre un rythme et puis pourquoi pas reprendre cette 5, enfin cette 7, 7e et 6e place. Donc Darko, 7 secondes 8. Régis au stand. Est-ce que Darko va passer? Mais non, mais Régis, il conserve la tête. C'est ça, quoi. Ah Régis ouais. est resté devant son coéquipier. C'est bien ce qui me semblait. Et la clouse qui est très très pressant avec les pneus chauds. Oh, Oula, ils sont touchés. il a Ouh. même Ouais, il a touché. touché, il a touché. Oh, bah alors, Ouais. Marco, On l'a on vu, a la monsieur grosse Clouse. tête. On fait des bisous à son coéquipier. Ouais, heureusement. Ouh là là. Ouais. Parce que plus fort il l'a rhabillé en l'air et plus fort il cassait son museau. Donc Ah oui, il a pas l'air là. d'être tordu. Ouh, c'était chaud. Chaud, chaud, Serait-il dur. vexé d'avoir perdu sa première place? Le roi Quoi? n'accepte pas. C'est un crime de lèse-majesté qu'a commis Régis. Il ose disputer le Ouais. leadership C'est ça, tu. à Seigneur Clouse. Voilà, il veut se battre Attention. avec le mâle dominant? Ça veut dire quoi ça? Ouais. Le mâle alpha chez Ferrari. Ah non, Régis, attention, hein, il veut aussi sa victoire, il veut sa part du Drapeau gâteau. jaune, c'est Seb. Non, c'est Vaillant, Vaillant qui est parti. Ouais. Darko meilleur temps en tour, une 14. Et Vaillant qui est parti C'est en tête Vaillant, à queue. Vaillant au ralenti. Et il a plus de museau. Non. Aïe aïe aïe. Il a fait le podium la semaine dernière, non? Vaillant. Non, non, justement. Ah, il l'a pas fait. Non, puisque. Non, non. C'est Régis qui l'a privé de podium. Darko qui a gagné 5 secondes hein, depuis son erreur, parce qu'il est reparti quasiment presque à 10 secondes, il est à 4 secondes 6. Et Alexandre, j'ai l'impression qu'il a passé Seb. Il va s'attaquer à Carlito et Il est à 1 seconde 9. il a le couteau entre les dents, le pilote Aston Martin. Ah bah il sait Et qu'il peut là. quoi. Peut-être Ouais. pas terminer premier, c'est vrai que c'est dû au fait de course la dernière fois qu'il s'est retrouvé en tête, mais il peut jouer le top 5 largement. Canada Dry, Canada Drive. 3 Alors là, secondes. c'est encore. Alors on va aller voir vite fait. Pénalité 6-6-6, Alexandre 3, 6-9 pour Cana, 6 et Oh, 6 il y a pour. Totti qui est très près de Seb. Il était à moins de 2 dixièmes à un moment donné. Régis, meilleur temps, 1-14-127, 3 dixièmes À moins. d'amélioration. Ça commence à tomber là. Et Clouse qui se retrouve à une demi-seconde de son coéquipier. Aïe aïe aïe. Ouais, mais. À la Si limite, Régis. il reste comme ça, Cuscocco, il n'a pas de pénalité. Donc, il a la victoire sur tapis vert. Ouais, Mais je parce qu'il crois est à 6 qu'il secondes. mettra. Je crois qu'il mettra un point d'honneur à la remporter sur la piste, donc ne vendons pas la peau de tous avant de l'avoir tué. Exactement. Et attention, parce qu'il y en a un que pour l'instant il fait sa course. Il est quatrième. C'est le deuxième pilote Red Bull qui n'est plus qu'à 5 secondes de Darko. Donc à 9 secondes de la tête. Et en sachant que Régis et Darko ont 6 secondes. Monsieur Michoumil, s'il continue sa remontée, peut terminer deuxième. Donc, parti de l'avant-dernière place, s'il finit deuxième, Ah bah c'est ça magnifique. sera magnifique et certainement le pilote du jour, en tout cas de ma part, s'il ne fait pas d'erreur. On a une belle bataille là Totti, entre Seb, ouais, Alexandre Alexandre. et Carlito. Magnifique. On a une petite bataille avec Man aussi. Man sur Canada. Meilleur tour d'Arco. Ça y est, c'est tombé. Ah, On il est a sur des raison, hein, le 14. père Olcara sur le chat, il observe la course, hein, il a dit que Darko reprend beaucoup de temps Ah sur les ouais, deux c'est ce que je lui ai dit. Ferrari. J'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Ah Il était bah. à quasiment 10 secondes. Il a 4 secondes 4. Donc il est bien revenu. Il a gagné 5 secondes. Entre les arrêts au stand et. Il s'est repris, le pilote Red Bull. Mais il y a son coéquipier, comme je vous dis, qui n'a pas de pénalité. Régis et Darko en 6 secondes, donc potentiellement, il est deuxième.
Et Totti. En parlant de pénalité, ouais, 3 secondes. 9 secondes pour le frérot. Ah, tu te mets sur Totti là, en caméra embarquée, et t'as une super vue sur la bataille devant, dont il fait partie lui-même. Et c'est magnifique. C'est beau à voir là, c'est 4 voitures qui se suivent. Pénalité Alexandre. 6 secondes pour Alexandre, il est pas à 3. Totti, ah, Totti va attaquer. Seb. Voilà, les deux en caméra embarquée, magnifique. Avant les freinages. Attention, ça va passer. Ça passe, bien joué, bravo. Oh, Seb qui résiste, Seb qui résiste. Oh, c'est très proche là. Oh, attention, oh, les roues, oh là là, les roues avant, c'était pas loin. Attention, Seb va s'incliner. Il a le DRS, il va peut-être croiser, répliquer à l'intérieur. Seb, oui, il accélère. Ça va passer pour Seb. Joli. Carlito. Aïe, non, Totti qui résiste. Oh, Totti. Aïe, 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 il est parti en travers, mais il a quand même résisté. Va. Oh, ouais, c'était beau, on l'a vu. C'est secteur 2. Drapeau jaune secteur 2, c'est vaillant. C'est Carlito qui s'est. Non, Carlito qui se fait passer par Alexandre. Ah, Totti qui est parti large. Oh, Alexandre, incroyable. Cinquième. Fafa au stand. Fafa au stand. Et on met les médiums. Et Zarco qui a repris encore une demi-seconde sur le groupe de tête. Il est plus qu'à 4 secondes 170. Ouais, c'est chaud bouillant, hein. C'est pas fini cette course. Il peut encore se passer plein de choses. Et Canada Dry. Seb qui a perdu sa place envers le pilote alpine, qui a réussi à avoir un petit trou d'avance. Canada Dry, tout comme Para, c'est les deux seuls pilotes qui sont toujours sur leur train du départ. 30 tours pour en hard Canada Dry et 30 tours en médium pour l'ami Para. Et Man donc vient de passer Cana. Et Carlito et Alexandre qui se battent. Ah non, Alexandre qui va au stand direct. Eh oui, avec ses rouges forcément. Et là, il va peut-être mettre des blancs. Ah, il nous fait le spectacle, hein, Alexandre. Il fait des dépassements et tout, mais rouge encore. Il oublie de s'arrêter souvent. Rouge encore. Ah bah. C'est à un moment donné, il va falloir qu'il change de train de. Bah, Paraguay, hein. Il va finir avec des jaunes. Pour être encore un peu plus agressif. Donc et là, c'est bien. Qui est toujours en tête. Il ressort dixième, toujours à une seconde, quasiment. Ça se maintient. Et Darko, 3 secondes 6, Darko qui revient comme une bombe. Hein. Il a encore gagné presque une seconde. Ah ouais, en un tour. Là, il est. Là, il a été vexé et piqué dans son orgueil. Il est remonté comme une pendule. Il a pris un caribou, mais il se remet dans la course. Hein. 3 secondes 9. Et Michoumil, 8 secondes. Donc pareil, hein, il était à 10 secondes de Darko, 8 secondes. Ça fait 12 secondes de la tête de course. Donc il a encore 6 secondes à gagner, Michoumil, s'il veut terminer. Sur le podium. Totti à une seconde de Carlito. Ah, il a un petit matelas tranquille, presque de 2 secondes Carlito. Ça va, il est parti 4ème, il est 5ème, il fait une bonne course, notre vétéran portugais. J'espère qu'il n'a pas trop pleuré il y a quelques jours face à la défaite contre le Maroc. Ça va pas le perturber pendant sa course. Non, je pense que maintenant c'est derrière, mais je pense que sur le coup il a dû être très déçu. Surtout que bon bah ils ont une vedette qu'on n'a pas tellement vu quoi. Oh, Kuzgogo qui est repassé en tête. Ça aussi on l'a pas vu. Ah, il a attaqué dans le troisième secteur. Darko, Darko 3 secondes. Ah là là, 9 secondes. Là ça va faire mal. Là, ça va faire mal. Il prend un tour à Para. Là, Darko, il va perdre la troisième place. Parce que Michoumil n'a toujours pas de pénalité. Non, ça, c'est beau. Hein. Ouais, Man et Fafa aussi. Hein. Ils sont quatre, ouais. Ils sont quatre pilotes qui n'ont pas reçu de pénalité. Avec Luz, ouais. Voilà, ça fait 2-3 Grands Prix, pareil, que j'ai... Ouais. Je prends plus de pénalité aussi, là, je suis content.
Les deux trois derniers circuits, bah à Monaco j'ai fait un tour et demi, donc forcément j'ai pas eu le temps de prendre des pénalités, mais en tout cas sur les... Ouais. Tiens, Zerti, dans le chat. Ça va, Matisse? Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps que je ne t'ai vu te manifester. Darko qui voit les Ferrari, hein. Voilà, on le voit, il est derrière là. On voit le miso jaune de la Red Bull pointé. Ils doivent commencer à le voir dans les rétros, les pilotes Ferrari. Et il a Oui, en des... tout cas, il les a en visuel au bout Ouais, de la ligne droite des stands ouais. de pilote Red Bull. Il a bu une canette ou quoi là? C'est ce qu'ils doivent se dire. Ouais, là, parce que là, la remontée incroyable de Darko, le rythme. Bah, il a gagné 8 secondes, hein, 7 secondes. Voilà, il a 3 secondes 100, il a gagné 7 secondes depuis son erreur. Donc, en une dizaine de tours à peine. Je sais plus au combien c'est arrivé, au 20, 20 et quelques. Ouais, ça va. Ouais, ça serait bien qu'il recolle juste pour le spectacle, là, qu'il vienne un peu ennuyer un peu les pilotes Ferrari. Ça serait bien d'avoir une petite bataille à 3. Clouse qui maîtrise son sujet encore. Tu suis? Ah bah c'est sympa. Tu suis nos actualités, c'est bien. Et ça y est, t'es maçon maintenant, tu travailles dans le bâtiment? Alors, J'essaie le DRS. il y a Totti qui revient sur Carlito. Ouais, il était à 1 seconde 6, il est plus qu'à 8 dixièmes. Et Seb qui est pas derrière, hein, il est à 1 seconde à peine 2 dixièmes au-dessus du DRS. Il suffit qu'il raccroche le wagon du DRS et on aura quasiment 3 pilotes dans la même seconde. Après, il y a un petit trou qui s'est fait entre Seb et Team Man. Man qui revient, hein, à la 8ème place, bien. Oui, il partait aussi de Ah, Hongrie. une erreur. Il a fait une erreur là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a une McLaren qui est partie tout droit là. Non? Oui, il y a eu un Ah bug. non? Putain, mais moi des fois je vois des trucs là sur le live. Elle a tiré tout droit la McLaren. Bon bah je sais pas, ça a bugué. Ça fait deux fois que ça arrive. Je suis pas fou, hein. Ah oui, bah moi aussi, hein, ça me fait plaisir, Mathis, d'avoir tes nouvelles. Un bon petit gars du même coin que Carlito, en Normandie, vers Rouen, je crois. Ah bah c'est bien, si t'as trouvé ta voie et que, voilà, c'est bien. Pour un gars qui se lève tôt le matin pour aller bosser, c'est bien. C'est des jeunes comme ça, moi, j'aime bien. Oh, il y a la Mercedes qui double Canada Drive Ouais, à je suis dessus. Manassas. Je Oh, suis dessus. Canada Drive en Ah, il s'est travers. loupé. Aïe, 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 Attention, attention. attention. Alexandre qui a passé Canada Dry. Ça va, il peut repartir, Cana. Oh là là, Attention, Canada doucement. Drive, j'ai l'impression qu'il a. Dommage, il est toujours dans les points. Mais il a perdu deux places. Non, parce que Man, non, il était 9ème, pardon. Vaillant 3 secondes. Ouais. Faut s'appliquer, comme dirait Père Atomique. Olcara appréciera. Seb à 2 secondes a perdu 1 seconde sur le train Totti et Carlito. Totti encore plus proche que tout à l'heure, à moins d'une demi seconde. Oui, il est Là, il met la régulier là pression. dans ses tours. On va rester là et c'est peut-être là qu'il y a une petite bagarre. Il y a Régis qui a 8 dixièmes aussi de. Je surveille. De Clouse. Il Et par sent la contre. McLaren à sa portée. Par contre, l'écart qui se stabilise là depuis quelques tours. Régis, 3 secondes. Allez, 9 secondes de pénalité pour Régis, 9 secondes de pénalité pour Darko. Donc ça fait que Michoumil, il est plus qu'à 4 secondes. Il gagne 4 secondes sur Régis et sur Darko. Et il est deuxième. Donc là, ça fait Totti mal. qui s'est encore bien rapproché de Ouais. Carlito, il met la pression.
je suis dessus là. Mais bon, le... c'est la carte le plus proche. Expérience. Les pilotes chevronnés. Je l'ai pronostiqué 6ème. Donc s'il termine mieux, tant mieux. Mais s'il termine 6ème, moi ça me va. Petit, ton frère, tu l'as pronostiqué 6ème. Ouais, 6ème. Ah oui, le Havre, c'est vrai, à chaque fois je me plante. Ça y est, elle est passée. Attaque de Totti sur, sur Team Carlito et qui s'empare de la 5ème place. Bravo Totti. Il est parti 5ème, il récupère sa 5ème place. Alexandre, 3 secondes de pénalité. Oulala. Pénalité. Alors, 9 secondes pour Régis, 9 secondes pour Darko, 9 secondes pour Totti, 9 secondes pour Carlito, 9 secondes pour Seb, 9 secondes pour Alexandre, 9 secondes pour Cana, et 9 secondes pour Para, et 9 secondes pour Vaillant. Voilà, il n'y a que Seb qui est à 3 secondes. Donc, Seb risque de gagner des places aussi. S'il arrive à garder le train sur Team Carlito et Totti, et ben, il termine 5ème pour l'instant, virtuellement Seb. Il est qu'à 2 secondes. De Totti, donc virtuellement pour l'instant c'est Seb qui est 5ème. Tu vois, les places ne seront pas figées à la fin du Grand Prix. Ah non, 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 c'est là les pénalités. Faute de Totti, bon. Totti qui est parti dans l'herbe et qui se fait dépasser par. Ah non, c'est qui? C'est Para? Non. Ah, c'est Para qui le laisse passer. Ouais, c'est Para qui est sur le bas de côté. Ah, excusez-moi, j'ai vu une Alpine et je croyais que c'était Totti qui avait fait une erreur. C'est Para. Bien joué, Para. Ah, là, secteur 2, c'est toujours lui. Il va laisser passer tout le monde là. Oui, il est. Ouais, c'est ça, ouais, c'est lui. Il tombe le gazon là. Ouais, c'est ça. Il s'est transformé en. En outil Wolf. Ouais, il vaut mieux. Voilà, comme ça, tac, tu les laisses reprendre de l'avance et hop, tu peux refaire ta course tranquille. Et devant, on a toujours les deux Ferrari, mais Darko qui a encore réduit l'écart à 2 secondes 6 maintenant. Ah, 4 dixièmes repris par le pilote Red Bull, qui se fait de plus en plus pressant. Donc pour l'instant, avantage pilote Red Bull, c'est dommage hein, qu'il a fait cette petite erreur. Mais c'est pas fini, mais maintenant avec ces 9 secondes de pénalité, c'est compliqué, il se complique encore la tâche quoi. Oui, mais une erreur peut être aussi faite par les deux pilotes devant et la seule moyen de les pousser à l'erreur, c'est de leur coller au cul et c'est ce qu'il cherche à faire Darko. Ouais, il revient là, ça y est, hein, il est pratiquement à 2 secondes. Et là, si la personne se sort, ben déjà, au niveau des pénalités, ça enlève, ça l'allège déjà. Ouais, ouais. Le seul moyen de pression qu'il a, c'est ça, c'est de les recoller et de les pousser à la faute. Mais attention de ne pas en faire aussi. Il a la... Bah oui, bah... il a la tête froide le père Cuscoco. C'est pas qu'il sort de stand. Il vient perdre la tête. Sauf un gros décolleté peut-être. Team Carlito qui repassait devant Totti. Juste un instant, je viens de le voir sur le tableau. Et Totti, 3 secondes encore. Ah là 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 là, ça fait 12 secondes pour le frérot. Là, ça fait mal. Je sais pas s'il va les revendre après, mais... Ouais. Là, c'est pas bon. Mais bon. Achetez mes pénalités, Heureusement que tout le monde en a beaucoup, donc... Mais, oui, là... Elles ont 12... pas beaucoup de valeur sur le marché, justement, parce qu'il y en a plein partout. Ouais. C'est plutôt acheter ma virginité là pour ceux qui en ont pas là la valeur. Ils sont déjà deux pilotes à 12, Canada Dry et Totti. Tiens, là je me demande s'il a pas coupé déjà. Ça c'était quitté sur Seb, pardon. En tout cas, Totti est toujours... Très proche, ouais, je regarde sur le radar de la carte. Le Carlito. La Régis aussi, très proche de tous, une demi-seconde. Et Darko, 2 secondes 8, il a reperdu du temps Darko, il a reperdu 7 dixièmes. Il était quasiment à 2 secondes 2, 2 secondes 3. Il arrive plus trop à bien réduire l'écart. Ah, ça y est, là, il redescend. Il est passé de 2 secondes 8 à 2 secondes 4, il a repris 4 dixièmes. On va voir.
Parce que là, les jeunes vont pas tarder à. Encore 10 tours, on va dire, avec les jaunes. Ils ont fait combien de tours avec les blancs? 30 tours? Qui? Le maxi? Ouais, ils ont changé à combien? À 30 tours, là, je me souviens plus. C'était un peu avant 30 tours, Marco. Entre 25 et 28. Ouais. Parce que. Ils avaient changé alors que par exemple Canada Drive qui a fait 30 tours voire plus et pareil c'était eux qui allaient le plus loin avec leurs gommes respectives, Para ayant des médiums, donc ce qui est encore plus incroyable. Allez Totti là peut-être en tout cas il met Carlito sous pression, il va bien se rapprocher avec le DRS, il a mis le RS, il va peut-être y aller. Et il tente va. Un peu tout ouais. Doucement l'intimidation. Ouais, c'est montré le vieux renard, à la relance. Ouais, bien joué Carlito, belle défense. Magnifique. Attention, on ne la fait pas au vieux renard musqué. Et là il est proche le pilote alpine. Il y a une bagarre aussi avec Fafa et Cana. Ah Cana, bah voilà. Je viens de le dire et Cana passe dans la ligne droite. Fafa. Oui c'est ça. Oui, il prend la dixième place pour le gain du point de la dixième place. Alors bien joué. Man est passé par les stands pour chausser des softs. On va peut-être voir un autre man ce soir, maintenant qu'il a les softs, à l'attaque. Ouais. Et Totti, toujours très proche de Carlito. Ah, secteur 1. Zone. C'est Fafa. Qui au ralenti à un moment donné, je suis pas sûr, mais bon. Et Totti de très proche là de Carlito dans les. Il vient de passer à la ligne droite. Deux tours hard contre 18 tours médium. Donc logiquement, ils sont dans la tranche de la performance, les jaunes, les rouges aussi. Ouais. Pardon, les blancs aussi. Mais logiquement, les médiums sont plus performants que les hard. Donc c'est d'ailleurs pour ça peut-être que Totti arrive à mettre la pression à Carlito. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à le passer? On sait que c'est difficile sur circuit, c'était pas bien proche. Après ce virage là qui arrive, ce gros droit. Darko, meilleur tour, une 13-712. Et oui, il est à 7 dixièmes Darko de Régis. Toi, il a dans gagné. La zone du DRS. Incroyable, le temps qu'on discute, il a gagné 2 secondes. Eh oui, oui. Alors Totti aussi, il est très proche ouais, de bah, Carlito. Est-ce qu'il va y aller là? Darko, avertissement, 3 secondes, il a 12 secondes Darko. Totti qui passe, oui, qui passe à Carlito. L'intérieur, c'est fait. Ça, je suis resté sur eux, il a pas réussi à le doubler et je vais sur Darko, il le double. Pas, bois rien. Ouais, non. Darko, 7 dixième, là ça y est, il est dans le DRS. Franchement impressionnant, il a gagné 10 secondes. Hein. Donc tu vois, s'il avait réussi à doubler en plus, c'est jaune, c'est quoi encore? C'est pas Para? Si, c'est Para. Qui a dû partir de travers. Ok, il est ralenti dans la ligne droite et il laisse passer des voitures. Non, mais je pense qu'il s'est loupé. Oh, Totti! Totti à la faute! C'est bien ce qu'il me semblait. J'ai une voiture faute. À l'arrêt. Aïe, aïe, aïe. Dans l'épingle, enfin au niveau de l'épingle. Et là, il a perdu gros, il a perdu une bonne place contre De Seb et il se met à 7 secondes maintenant là de Carlito. Dommage. Non, c'est pas au niveau de l'épingle, c'était. Et ouais, d'être très proche, tu te fais démonter, c'est pas évident. Darko au stand. Il essaye peut-être un undercut, là, le pilote Red Bull. Ouais, vu qu'il est revenu dans la seconde. Ouais. Il se dit, ça sert à rien, j'ai deux. Exactement. Les deux à doubler, là, avec des pneus neufs. Et puis ça va peut-être leur péter un peu la stratégie. S'ils avaient envie de faire peut-être 3-4 tours de plus. C'est pas comme si qu'ils avaient 5-6 secondes d'avance là, il était carrément dans la seconde du DRS donc là il faut que les pilotes Ferrari plongent
Et peut-être qu'il y en a un des deux qui va se faire pénaliser, vu qu'ils sont deux, ils sont dans la même seconde, les deux pilotes Ferrari. Tu vas voir aussi bien, il va réussir à s'intercaler entre Clouse et Régis. Mais Para, 3 secondes. Il a repris 3 secondes, hein, Darko, il est à 12 ans. Hein. Donc là pour l'instant, hyper gros. Et Michoumil, bah voilà, Michoumil, ça il est devant. Parce qu'il est à 5 secondes de Darko. Ah, Régis, regarde, Clouse. Darko s'arrête, Clouse Coco s'arrête. Voilà, tu vois, je te l'ai dit. C'était obligé, il était obligé de contrer. Alors comme je t'ai dit, s'il avait envie de faire quelques tours de plus, Clouse il pouvait pas. Et ça se trouve, Régis il va se faire avoir, vu que Darko il a des pneus neufs. Et comme ils étaient très proches, les deux pilotes Ferrari, à moins d'une seconde. Le tour qu'il va faire, voilà, regarde. C'est qui arrive là? C'est Darko qui arrive là, non? Oui. Voilà, bah il va pas. Ah non, il est pas passé. Il repart juste derrière le pilote Ferrari, mais il risque de repartir devant le pilote Ferrari. Hein. S'il loupe son entrée au stand, devant Régis. Devant l'autre pilote, ouais, devant Régis. Voilà. Devant Régis, il ah risque ouais de passer. Ça y est, regardez, avez, il est proche. Il va passer. Vous avez suivi, messieurs, l'explication d'Evan là? C'est bien, bien argumenté, hein, bien construit et, comme raisonnement. Hein. Et regarde là, ouais, il est très proche, il va peut-être passer vu qu'il a les pneus chauds et Klaus oui a les pneus froids. Donc là, grosse stratégie de Darko, s'il arrive à le faire, c'est allez, magnifique. Allez, allez, il va on peut-être est sur attaquer l'action, là. Là, tu bouges Allez. plus avec ça comme attaque en piste. Par contre, si Klaus résiste, secteur 2. Oh, Carlito qui a pété! Ah, Carlito, est-ce abandon qu'il va y avoir ces petits cas? Safety car, aïe 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 aïe. Et c'est bon pour Régis. C'est bon pour Régis. Ouais. Il y aura un arrêt gratos. Et ouais, Carlito, on le voit. Carlito, assez rare hein, pour le signaler. Le pilote portugais qui s'est fait avoir sur le circuit canadien. Bon, Olcara qui a apprécié ton analyse, hein, Evan. Ah, bon, c'est gentil. En connaisseur, c'est bien. Et ouais, donc t'as la Régis. J'ai laissé parler, hein, t'as vu le carrage, c'est vraiment. Là, je me suis incliné devant le côté ingénieur, stratège d'Evan. Bah après, après, c'est presque logique, quoi. Je veux dire, bah après, moi, je suis la Formule 1 depuis longtemps, et après, je suis pas forcément un fin connaisseur, oh, mais. Fafa qui s'est pris une pénalité, il est rentré trop rapidement dans la voie des stands, c'est dommage. Ça, il n'avait pas de pénalité, justement. Ouais. Hein? Mais bon, dommage, il a quand même de l'avance sur tous les autres qui en ont minimum 9. Donc, il peut, comme je te dis là, il peut se permettre de s'en prendre. On va aller voir vite fait les pénas. Ouais. Attends. Là, c'est un drive-through. Il est passé par les stands, Régis, et il est ressorti premier. Eh oui, puisqu'ils étaient sous le régime de drapeau jaune, donc eh ils n'ont oui pas pu aller vite. Donc, ça a été bénéfique pour lui. C'était il a eu la chance. Hein. C'est ce que j'avais dit aussi. Ouais. Ça. Bien joué, belle vision. T'as bien vu. Ah, bah c'est bien, ça va nous mettre une grosse bagarre. Les deux pieds de Ferrari qui se protègent encore les deux. Et là, c'est là, bien Michoumil qui va revenir, mais attention, là maintenant, ah oui, là les pénalités, là ça va faire mal. Ouh là 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 là. Regarde ce qu'il a chaussé Michoumil justement pour tirer profit de sa situation de monsieur sans pénalité. Eh oui. Alexandre, 3 secondes. Ah oui, moi aussi j'y connais un petit peu, hein, Olcara. Donc, 6ème. Il a la chance malgré son erreur. Il part avec des pneus rouges. Je suis juste la Formule 1 depuis 1980, moi. C'est tout, moi. Para, difficile, hein, ce Grand Prix pour Para. 5 tours. 5 tours du leader, ça fait. Ah non, c'est des pneus, je suis con. Ouais. J'ai eu peur. Je me suis dit, putain, 5 tours quand même en 49 tours. Excuse-moi, mon petit Para. Ouais, merci, Olcara, c'est sympa. On a un bon téléspectateur aussi là, hein, sur la chat. Eh mais mon petit Kenshin, c'est trop cool quand même. Alors 20 heures de la fin, toutes les voitures vont être resserrées, avec des stratégies encore différentes. Il était temps, hein. Parce que, et comme je dis, avec toutes les pénalités qui sont tombées, là ça va être mortel. T'as vu les écarts qui commençaient à se creuser là, on avait la bataille entre Régis, Cuscoco et Darko. Tandis que là. Parce que là, potentiellement. Là, tout le monde va être resserré. Potentiellement. Michoumil, il est deuxième. Seb.
Il est troisième. Après, il y a Tim. Tim Mann, il est quatrième. Timman. Eh ouais. Et voilà, donc tu vois déjà il y en a beaucoup qui. Il y en a qui perdent gros là déjà. Mais bon, je pense que les écarts vont encore se faire en 20 tours. Attention aussi aux erreurs. Parce que les relances sont aussi génératrices d'erreurs. Parce que, ben voilà, On est moins si on n'a pas concentré. bien chauffé, si on n'a pas bien chauffé ses gommes pendant les tours de safety car, attention, hein. Moi, c'est comme Donc, ça que j'ai perdu ma cinquième place à Bakou la semaine dernière. Au dernier tour, je rate mon freinage au premier virage et je tords un peu le museau. Obligé de rentrer au stand, boum. en tout cas, le pauvre Carlito qui faisait une bonne course, qui était dans le top 5, hein, top 6, Ouais. enfin en tout cas qui était bien parti pour ramener les gros points. Bah hop, tu vois que l'erreur, nul n'est à l'abri d'une erreur sur ce circuit très piégeux. Alors que Totti lui mettait la pression, c'est Totti qui partit à la faute. Il a réussi à Ouais. résister à ça. Et franchement, c'est vrai que c'est dommage. Parce qu'il avait fait une super belle qualif. Il gardait cette cinquième ou sixième place. C'était largement jouable pour lui. Je sais plus combien il avait de pénalités. Carlito, je me souviens plus. Il n'avait pas beaucoup. Il devait en avoir 6 ou 9. Ouais. Alors que il y a une question pour toi sur le chat de Pongolito, Evan, il se demande, il entend des bruits de papier régulièrement sur le live et il te suspecte de grignoter des choses Bah là pendant j'avoue, les j'étais en train de lives. manger un bounty là, j'avoue. Ah bah voilà. Pourtant j'ai écarté le micro. Ouais, mais ton micro est très fin et tu sais. Alors, des fois c'est des bruits comme ça, Pongolito. Des fois c'est le bruit de la cuillère de son café, parce que il se shoot au café, hein, Et des fois Van. c'est le bruit du briquet pour allumer la clope. Voilà. Et après on sent, il a la voix un peu, tu sais, du mec enrhumé quand il a la cigarette, quand il a fait sa bouffée Ouais, de fumée là. je parle un peu comme ça. Voilà. Là. Eh Bah oui, tiens, tu m'as donné une bonne idée, je vais faire chauffer un café, tu tu vois. vois. Oh, putain. Eh oui. Faut tenir, hein. Bon, bah, et en ça, j'ai le temps, là. C'est pas relancé encore. Donc, c'est maintenant ou jamais. Bon, en tout cas, merci à tous ceux qui restent éveillés. Eh si, c'est reparti la Ah, c'est course. reparti. Eh, Ah, ça y est. Il y a eu. pendant qu'on discutait des conneries là, Il y c'est a eu. reparti. Je disais, elle est où la voiture de sécurité? Je voyais plus. Eh oui, Régis qui est toujours en tête devant Cruzcoco, 6e, Darko, Michoumil du coup. Voilà, non, non, il n'y a pas eu de changement de position, C'est j'ai bon. l'impression. On n'a rien loupé, ça va. Ouais, déjà, ouais, il n'y a pas eu d'attaque de ouf, comme Ouais. on dit. Et donc maintenant on va voir Darko. On va avoir plein de bagarres, ça va être bien. Ah, il y a Totti là, attention, Totti il est chaud aussi avec Alexandre. Hein. Maintenant, alors c'est Alexandre, il a mis les médiums maintenant, il était bien obligé à un moment donné de chausser un petit Bah peu là, gomme. il est. Ah, Oh, Canada, Canada 3 arrive, secondes. 3 secondes. Là, il est tranquille, hein, Alexandre. Là, s'il assure bien, qu'il fait pas d'erreur, Ouais. il peut aller au bout avec ses jeunes. Hein. Après, Michoumil, ça va être dur de faire 20 tours. Ah, si, ouais, je sais pas, c'est peut-être jouable. Je sais pas comment il arrive à consommer ses pneus. S'il les use pas trop, il Ouais, peut aller au bout. peut-être, hein. Ouais, on va voir ça, on va suivre ça de près. Pour ça. Mais de toute façon, là, Michoumil, il a rien à faire. Il a juste à rouler tranquille, à pas faire d'erreur. Il a 12 secondes potentielles sur Darko et sur Régis. Donc, il a juste à essayer de suivre le wagon. Oh, le freinage, il a touché Totti, Alexandre, Ouais, il a j'étais dessus. freiné très très tard et ça Ça vraiment s'est tout fleuré. ouais, ça s'est effleuré, mais il a été légèrement
déstabiliser Totti, mais très peu. Mais, voilà, mais là, repressant, repressant. Ah, les pneus rouges, normalement, devraient être avantagés. Oh, il y a un sacré rythme, là, Alexandre, hein, avec ses médiums, là, dis donc. Oula, attention. Et Régis aussi, hein, regarde, il a mis 8 dixièmes sur Clouse, et Clouse 8 dixièmes sur Darko, donc... Il est potentiellement presque à 2 secondes Darko de Régis, donc bon rythme là sur le restart. Du pilote Ferrari. Et bon, pareil, hein, c'est dommage que Régis il a ses pénalités. La Clouse, pareil, hein, il a juste à gérer sa course. Ça y est, bah, ça, on sait que c'est sa spécialité. Très facile pour lui, donc à part une erreur, à part un fait de course. Oh là là, Alexandre qui a bien flippé là. Il fait que Canada Dry est dans meilleure position pour porter une attaque. En tête pas là, mais il va pouvoir se positionner avant la grande ligne droite. Par contre là, il est mieux ressorti Alexandre. Bon, Alexandre, il a pas mis le DRS, c'est juste le DRS. Ah bah, avec le DRS, le prochain tour, ça risque de passer. Il a un gros rythme avec ses jaunes. Hein. Darko, meilleur tour, 1.13.200. Ouais. Et juste, il venait juste d'avoir un meilleur tour, Kuskoko et Darko l'a coiffé sur le photo. 1.13.200. Waouh. Je sais plus combien j'ai mis en pronostic, je vais aller voir. Mais j'ai pas mis. Vous avez entendu là, vous avez entendu le chat là, le bruit de la cuillère là, ça y est là. La cuillère est dans la tasse. Ouais. C'est touillé, il reste plus qu'à voir. Donc, allez, Darko, avec le DRS, il va de la chicane. Ah, une 13-800, j'ai mis dans les pronostics. Donc là, au niveau du temps tour, je me suis fait péter. Parce que c'est déjà une 13-200, donc... Chumi, il a du mal à suivre son coéquipier, hein. Ouais, mais comme je te dis, 3 secondes, voilà, il est encore un matelas de 9 secondes. Il reste 15 tours, franchement, c'est jouable. Hein. Après, bah, si Darko et Régis arrivent à mettre plus de 12 secondes à Michoumil, bah là, respect à eux, et ils peuvent encore garder leur place, mais il faut qu'ils passent le forcing, quoi. Et Seb, hein, il est pas loin de Michoumil, hein, et il est juste derrière. Absolument. Tout comme Totti, pas loin de Seb, et Alexandre, ouais, pas loin de Totti, et Canada Drive, pas loin de l'Alexandre. Ouais, il y a un wagon de 5 voitures quasiment. Mais à un moment donné, il va y avoir un truc là, je sais pas, c'est ce wagon là. Canada Drive très prêchant sur Alexandre. Très prêchant. Allez, Canada Drive. Là, c'est Alex Cana sur Totti. Totti qui a lâché. Non, il a pas lâché le DRS, il est toujours dans la seconde. Tant qu'il arrive à rester dans le DRS, il aura une chance de sauver ses fesses. Ah bah non, ça va pas, Paul Delito. C'est pas de la feuille qu'il faut être dur, c'est de la branche. C'est bizarre qu'il soit un petit peu en difficulté. Ah, Darko, 3 secondes, allez, ça fait 15 secondes pour Darko. Aïe, aïe, aïe. Monsieur Darko, tu te compliques la tâche. 15 secondes. Il faut que tu fasses encore le forcing sur ton coéquipier. Est-ce qu'on a prévenu les pilotes que c'était pas un concours de pénalité? Là, tout ce que je sais, c'est que Darko a 14 secondes à gagner sur Michoumil s'il veut garder sa troisième place. Voilà. Et après, ça fait quoi? Ça fait 4, ça fait 5 secondes. Pour l'instant, Régis, il perd aussi. Il perd aussi déjà sa première place par rapport à Kous, c'est sûr. Mais il perd aussi la troisième place par rapport à Michoumil encore. Et ben.
Alexandre qui n'arrive Et pas Seb? à faire la jonction sur Petit. Seb, cinquième, hein. Il a que 3 secondes de pénalité, Seb. Attention. Et Darko qui a 2 dixièmes de Kluskoko, Franck. Ouais. Attention, ça commence à. Et regarde, Kenshin, il reste 13 tours. Ah, Paraguay, 3 secondes. Fafa et Man 58, pareil, ils n'ont pas de pénalité. Devant, ouais. C'est 15-12-15. Toti, Alexandre, Canada. Et ils peuvent gagner quasiment 3 places. Hein. Ils peuvent se retrouver 7ème Fafa et 6ème Man. Ah, mais au niveau des. Quand on va y avoir les drapeaux d'année, tu vas voir, ça va faire une jolie animation là, au niveau ah bah. Du classement. Puis tu vas avoir des trucs qui descendent, qui montent tout d'un coup. Là pour l'instant, je te le dis, hein, pour l'instant là, comme ça, virtuellement là, c'est Clouse premier, deuxième Michoumil, troisième Seb, quatrième. Non, ça s'arrête. Hein. Ça s'arrête. Hein. Alors, je me demande, c'est Alexandre qui a dû se louper, parce que maintenant Canada Drive le loupe et le double. Et il a perdu beaucoup de terrain sur Toti, Alexandre. Ouais, mais là, il va le rattaquer. Ah, il recroise, il attention. Ouais, ouais. Whoop là, dans Ouh la chicane, là il a levé le pied, heureusement. Ouais. C'est bien assez agile, Alexandre. Il nous fait une belle course aussi, hein. Beaucoup d'action. Moins d'une seconde, les trois premiers. Mais le pilote Red Bull qui n'arrive pas à trouver la solution face au mur Ferrari. Oh, c'est bien dit ça. Ouais. Il a du mal, hein. Il a du mal, Darko. Il souhaiterait pouvoir mettre toute sa pression pour les pousser à la faute. Mais ça, faut être vraiment collé. Mais ouais. C'est aussi un risque. C'est aussi une prise de risque. C'est dommage parce qu'il a, eu le moment où il a réussi à doubler, mais il a reperdu la place de suite derrière. Il n'a ah pas ouais, réussi. Il a pas réussi à garder. À garder ce petit avantage parce que il avait l'air d'être plus rapide hein, puisqu'il est revenu à fond sur les pilotes Ferrari après on son erreur vu, et après son changement. On a vu Darko en leader subrepticement hein, le temps qu'on l'annonce et c'était déjà repassé à Clouse. Il est pas loin Darko, il est pas loin. Dès qu'il arrivera à gommer ses petites erreurs, ça sera bon. Pardon, excuse-moi. On a toujours des fins de course intéressantes. Hein. Ouais, bah franchement, il s'est toujours passé des petites choses en ER1 depuis le début. Ça n'a pas été monotone et plat où tu te fais chier. Non, honnêtement, à chaque fois, il y a eu des petits faits de course, des abandons, la pluie qui s'est invitée. Enfin voilà, non, c'est bien. Et ça a toujours été relancé d'une manière ou d'une autre à 10 ou 20 tours de la fin. Ouais, au moins une fois, bah comme nous un peu en ER2 aussi, hein, c'est pareil. Un safety car, des fois c'est chiant, mais des fois quand t'es loin à 40 secondes et que ça te permet de rattraper le peloton et de pouvoir te rebattre après, t'es content quoi, tu vois. Ça relance un peu la course quoi. Alors que quand t'es largué, t'es tout seul, c'est quand même plus chiant. Bon, moi, personne m'a dit merci pour la dernière safety car que j'ai provoqué à Baku. Ça là m'a fait chier puisque, puisque j'ai cassé dans le dernier tour de la relance l'aileron qui a fait que je rentre, j'ai perdu ma 5ème place. N'empêche, j'ai repris 23 secondes sur le Cara en 8 tours, c'est quand même une belle perte. Je suis ressorti à 26 secondes et je passe le drapeau à damier à 3 secondes 8. Donc il m'a manqué un ou deux tours et. La performance était là, voilà, c'est juste une erreur d'inattention. J'ai voulu regarder la température des pneus parce que justement on était derrière la voiture de sécurité et on sait qu'à la relance c'est dangereux. En sachant que ton fond plat était abîmé. Hein. Et en sachant que mon fond plat il est abîmé depuis le début de course. Grâce à moi aussi. Et voilà, et ça fait que j'ai pas bien appuyé sur le bouton pour changer le menu et quand j'ai levé les yeux j'étais dans le virage et je roulais pas vite mais le peu que j'ai roulé j'ai freiné trop fort, la voiture elle a glissé, bam! L'aileron orange, il n'était pas cassé mais il était en orange donc là je pouvais pas terminer les tours qui restaient avec un aileron abîmé comme ça. C'est pas grave, on apprend de ses erreurs. Bon bah on va changer un peu là, on était sur les trois premiers, Darko qui arrive pas à doubler.
Michoumil qui a fait un petit trou sur Seb. Seb qui a fait un petit trou. Et Canada Drive qui est proche de Totti avec le DRS. Il y en a un autre qui arrive pas à doubler aussi, c'est Kouskoukou, il arrive pas à doubler son coéquipier. Ouais, mais après il s'en fout, hein, comme je t'ai dit, il a Régis, il a 9 secondes de pénalité, donc... Oui, mais je suis un peu déçu, je pensais qu'il se tiendrait à finir cette course. Ouais, mais tu... T'inquiète pas, il reste encore 9 tours, tu connais Kouskoukou, c'est comme un pilote MotoGP, il va attaquer dans le dernier tour, il va se rapprocher, un peu comme il a fait Alexandre au Grand Prix de Bakou. Et tu vas voir, je suis sûr qu'il est, bah de toute façon c'est déjà sûr qu'il gagne s'il fait pas une erreur, mais j'en suis sûr qu'il va le dépasser avant la fin. Bonne nuit Sofako. Bonne nuit et à jeudi. Attention, le frangin, il est sous pression de Canada Dry. Bière sans alcool à l'intérieur, à l'épingle. Et c'est Paco et Spinline, rouler un peu avec le frein à main sur la voiture, ça serait cool pour nous, quoi. Ou avec des roues carrées. Ah, Darko aussi, là. Attention, Darko, il est à 2 dixièmes de Kouskoukou, qui lui-même s'est fortement rapproché de son coéquipier. On a deux grosses batailles là, les trois premiers et Canada Drive sur Totti. On va rester sur les leaders. Sur les leaders. Sur les leaders. Les leaders. Eman qui écope une nouvelle pénalité. Ah, il en avait pas beaucoup, monsieur Mann. C'est la première, 3 secondes. Ah, c'est ah ça oui, va. C'est la première, tout à fait. Ouais, et là, il termine toujours devant Totti. Il est pas à 12 secondes. Ah, Franck, oui. On n'a pas vu. Kouskoukou, il a une pénalité aussi. Ah, 3 secondes. Ouais, mais 3 secondes, c'est rien. Drapeau jaune. C'est Vaillant. Non, Fafa. Bon, heureusement que j'ai pas vraiment parié. Ouais. C'est rare à le noter. C'est très très rare à le noter. Mais toi, comme quoi, ce circuit est très 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 difficile. Et Canada Drive qui passe ton frangin. Ah. Et qui prend la sixième place. Et ils sont tous les deux à égalité de pénalité. Donc. Ouais, là il y a grosse bataille. Grosse bataille, c'est pas fini. Donc. Et là, il me ferait foirer complètement mon pronostic. Hein. Il fait chier le frérot. Donc il termine septième, il se débrouille. Non, j'ai mis 6ème, pas 7ème, je crois. C'est 5, 6, 7, je crois, il me semble. Oui, parce que si tu veux, si tu l'as mis 7ème, c'est bon, il est 7ème. Ouais, mais avec les pénalités, il va se faire rétrograder. Ah oui, c'est vrai, ouais. Là, même Alexandre, non, mais Man, il lui passe devant, quoi. Man passe devant. Et après, Fafana en trop loin. C'est Michoumi les 7 qui vont faire des affaires. Ah bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là pour l'instant ils sont deuxième et troisième, hein, virtuellement. Ils sont deuxième et troisième. Et attention parce que Kana, il est pas si loin que ça. Hein. Et donc ça fait 7. On va dire 8. 8, 9, 10, 11, bah, 11, 12, 12 secondes. Il fait une très belle deuxième partie de course. C'est dommage qu'il ait récolté toutes ces pénalités. Ouais, et regarde que ça soit. Non, mais c'est Man. Man, regarde. Man, il est à 17 secondes. Attends, je vais mettre le temps. Je crois qu'il est à 17 secondes de la. À 20 secondes. 20 secondes. Et Régis, il a 12 secondes. Et Darko. Para, on ne compte plus. C'est le record Man ce soir, 18 secondes. Voilà, Man, il est qu'à 5 secondes de prendre la place de Darko, tu vois. Même pas, il est à. À 4 secondes, puisque Darko il a 1 seconde 5 et Man il est à 20 secondes, 21 secondes. Ah, drapeau jaune. Qui c'est bourré c'est une bleue, ça doit être Para. Ouais, c'est Para. C'était Para. Darko très proche toujours. Alexandre pénalité, aïe. Aïe aïe aïe. Il rejoint Para dans le. Ouais. Top 3. Et ça c'est pas bon pour Alexandre.
Pas bon, pas bon, parce que Fafa, non ça va, Fafa il devrait pas passer devant, mais là il va pas pouvoir faire mieux qu'une 9ème place, Alexandre, malheureusement. C'est dommage. Ça coûte trop cher à arriver à bon. Des fois faut lever le pied. Je sens que Kouskoukou Il va attaquer. va. Je sens qu'il va passer l'attaque là. Et Dans Darko les. il est là, hein. Encore. Hein. Il est là, oui, il a raison. Hein. Rien ne l'empêche de mettre la pression. Ça fait partie du jeu tu sais que la pression, bah, il y en a qui résistent. Plus ou moins bien, bon, plus Coco, il est réputé pour garder la tête froide, c'est son arme fatale. Mais Canada, Canada 3 Drive, 3 secondes, secondes, c'est dommage, 18, regarde, ouais. c'est dommage parce qu'il fait une très belle fin de course. T'as drapeau jaune, c'est quoi? C'est des Secteur drapeaux 1, bleus, c'est Paraguay. Paraguay. Oh, oui, il est dans le mur, mais il a pas. Est-ce qu'il a encore son aileron? Il était dans le mur, le pilote Ouais. Bill. Allez, montrer une autre vue là. Bon sang, c'est chiant. Ouais, ce serait bien qu'on mettrait les caméras. Ouais, il a toujours l'aileron. Mais Ouais, je crois c'est qu'il bon. y a un bout qui a cassé, non? Non, non, c'est bon, il a les Ah, deux mais côtés des ailettes. les ailettes aussi. Ouais, c'est bon. Alors, Régis toujours devant, mais pénalisé. Kouskoukou deuxième, Darko. 15 Fiche. secondes, Darko, quel dommage aussi. Oh, Ah, un peu drapeau jaune jaune. encore. Oh, c'est Seb! Quel dommage, Seb Aïe qui aïe fait aïe, qui perd monter. gros là. Mais 3 secondes de pénalité, hein, ça va. Il est Ah toujours dans le coup. oui. Il Oui, mais. est toujours dans le coup pour terminer sur le podium. Hein. Bah non plus maintenant par rapport à Darko et à Régis, mais au moins quatrième. Ah, quelle erreur. Là il finira devant Totti, quoi qu'il arrive. Quoi? Tout peut encore arriver, Ah ouais, c'est pas hein. fini. Hein. Et Man, je te dis, Man qui est très bien placé. Hein. Man, il est à 24 secondes, il va passer devant Totti, il va passer devant Seb, il va passer devant Canada. Et 11, 24, ça fait 14 secondes. Non, il passera Et pas ça devant Michumide. se voit d'ailleurs, tu regardes son pilotage, il est très propre, il s'applique. Il a bien compris qu'il avait intérêt à finir vierge de pénalité pour pouvoir gagner des places au classement final. Ah bah, il va faire deuxième. Hein. Ah, carrément. Troisième sûr. Et deuxième, il est pas loin, il est qu'à 12 secondes 4 de Régis, il a 12 secondes de pénalité. Donc là pour l'instant, il est virtuellement deuxième à 3 dixièmes. S'il passe en dessous des 12 secondes, il est devant Régis. Darko, il a lâché sur Kouskoukou, hein. Ouais. Il est à une seconde, plus d'une Quasiment seconde, il est deux. plus dans la zone DRS. Alors les deux seuls qui n'ont pas de pénalité, c'est Michoumi et Fafa à signaler. Ouais, joli, bravo, grosse Fafa qui performance. avait une pénalité de vitesse excessive dans les stands, il Il l'a l'a gommé fait. lors de son arrêt au stand qui a suivi. Et il est dans les points. Et il est dans les points, effectivement. C'est dommage qu'il soit pas plus proche que d'Alexandre. Hein. Il serait juste derrière Alexandre, ben il pourrait terminer dans le cinquième ou Drapeau sixième. jaune. C'est Paraguay. Ah, Ah et oui. en travers, carrément dans le mur. Ouh là là. Attention, il est Attention à en la relance. contresens en plus, Ouais. non? Ouais, il est en contresens. Ouais. Ça y est, c'est bon, il repart. Nous allons très Voilà, comment faire un circuit demi-tour. difficile pour Para aujourd'hui. Est-ce qu'il a fait du training, je sais pas, Oui, mais. c'est exactement la question que j'allais te poser, si tu étais dans les confidences du team Alpine. Et j'ai vu qu'il avait fait un peu de CLM. Ouh là, il a carrément coupé la ligne des stands. Oui, il a dit j'ai pas cette pénalité, je vais en récolter encore une. Ah ouais, il est passé de la ligne droite au ligne des stands, comme ça il laisse passer tout le monde. Oh, Darko qui est revenu par contre là, très proche de Kouskoukou. Mais Kouskoukou qui commence à mettre la pression sur son coéquipier. Ah ouais, c'est pas fini, Il hein. s'est Il a dit, repris 2 secondes, hein. je Dark. pense qu'il va, il va, il va, il va tenir à vouloir terminer devant sur la piste. Le tapis vert, il aime pas ça. Mais bon, il s'en contentera, bien sûr. Il ne fera pas non plus des folies, mais. Plus que 3 tours, enfin bientôt 2. On va entamer l'avant-dernier tour.
Et c'est Régis qui, pour une fois, n'est pas coutume, est devant son coéquipier, mais malheureusement. Qui c'est qui a le meilleur temps oh, en tour là pour l'instant Klaus, il est là, Klaus, attention. Darko t'as... Non, non, Klaus, il est. Il non, est mais très quel... proche. Quel meilleur temps en tour? Ah, c'est Darko. C'est Darko. Bon, allez, Régis alors. C'est pas secteur 1, c'est toujours Para qui laisse passer. Ah non, c'est non, Cana. C'est Canada Drive qui s'est loupé. Par... Ouais. Et qui se fait passer par Seb aussi. Aïe aïe aïe, dommage Cana. Et c'est dommage parce que lui il a 18 secondes de pénalité. Et là par contre, là hyper gros. Hyper gros parce que. Il est à 6 secondes de Totti et il oh, passera pas devant Totti déjà. Darko, il a 2 dixièmes de ouais, plus Coco. Très proche, très très proche. Ça risque de passer, hein. Ça peut passer. Non. Très rapide la Ferrari. Ça perd les popettes. Ouais, rapide, hein. Parce que même avec le DRS, 21% de RS. Et Klaus, oh là là, 74. Il a une avance de RS, Klaus. C'est bon. Ouais. Et Régis. Ils sont 56. Très proches les uns des autres. Et on a attention de ne pas tout perdre. C'est pour ça que là, les deux pilotes Ferrari, on sait que jamais ils ne ruineront leur course. Donc ils doivent faire attention. Mais il y a un intrus derrière. Il y a quelqu'un qui les empêche de conduire, on va dire, soft. Donc. C'est, on arrive dans le dernier tour, c'est le dernier tour, 70e tour. Ouais. Alors. Est-ce ah, que Klaus, Régis, il a lâché un peu. Et là, on va voir si Darko. Si ah, Klaus. Il est à 2 dixièmes. Si Klaus fait une attaque face à son pilote, Régis qui loupe pas cette dernière, ce dernier virage, mais attention à la relance. Alors regarde, il va Klaus, le passer. Klaus était sur plus le proche. Fil. Ouais, ouais, je te l'ai dit, c'est un renard. Et vaillant, meilleur tour. Un coureur de MotoGP, ce Klaus Coco qui savait qu'il attaque dans le dernier et tour. Et voilà, la voilà. Fierté. Bien ouais, joué, il a, monsieur. Il a relâché aussi Régis, je pense qu'il a dit ça sert à rien. Et donc et là, voilà. On va voir maintenant les classements. Michoumil qui a 12 secondes. Non, qui a 4 non, il secondes. A là, il va secondes. Passer. Il va passer, il va passer. Darko, il passera pas Régis. Ah, si, non. Il va passer Régis aussi. Si, si, il va passer Régis. 10 secondes, il va passer Régis. Deuxième. Deuxième. Après, ça va être Man 58 non, qui va passer Michoumil, cinquième. Michoumil, quatrième. Ah, ouais. Le rapport à Damier, Darko qui conserve le podium. Attends, il y a Seb qui monte 5ème. Ouais. Man 6ème. Man 6ème. Ouais. Après Totti 7ème. Cana. 8ème Cana bien, heureusement. Il a fait une petite erreur, mais il finit quand même dans les points jolis. Alexandre et Fafa, les deux Aston Darko Martin. Qui a réussi à raccrocher le podium, incroyable. Ouais, ouais, ouais. À une seconde, hein, parce que 12-700 ouais. Et Michoumil 13-352. Alexandre 9 dans les points, Fafa aussi. Ouais, les deux Aston. 10, 20. Et Vaillant, qui a le meilleur tour, mais du coup, qui n'empochera pas le point bonus. Eh ouais, dommage, il a fini 11ème. Donc là, il a empêché Darko de l'avoir. Ouais. Bon, bah, c'était pas mal. Il y a eu des petits faits de course. Toujours Michoumil, oui, on s'y attendait. Ouais. Bah, ouais, en partant dernier, il termine 4ème. Ah, il était pas loin du podium, hein, c'est dommage. Hein. Mais bon, bravo à Régis et à Darko, parce que malgré 15 secondes et 12 secondes de pénalité, ils ont réussi à rester sur le podium. Donc, doublé Ferrari, bravo à Klaus et bravo à Régis. Régis qui est pas mal ces derniers temps-là, qui se remonte, ouais. Dans le haut du tableau, donc c'est bien, il reste encore beaucoup de courses. On va avoir un beau duel entre Darko et puis Régis. Pareil, Darko là qui marque de gros points. Donc c'est pas mal. Il a montré Régis qu'il pouvait rester devant son coéquipier. Donc peut-être que ce sera le premier pilote à battre enfin Cuscoco cette saison sur la piste. Pour l'instant, il reste invaincu. Et là, heureusement que Régis a fini devant Darko parce qu'ils ont que... que 14 points d'écart au classement, donc Régis va regarder. Regarde les temps, meilleur tour, ils sont très proches, hein, les trois. Et voilà, donc Klaus Coco
qui remporte une nouvelle victoire. Devant Régis, son coéquipier, Darko au troisième complète le podium. Michoumi au pied du podium, quatrième, mais quelle remontada depuis fond de grille. Seb, cinquième, belle course aussi. Depuis la Williams, Mann, sixième. Ouais, ouais, pareil, super belle course de Mann avec 3 secondes de pénalité. GG, mec, parce que tu vois, grâce à ça, bah, t'as gratté 2 places au final. Donc, encore une belle performance de Mann hein, qui confirme par rapport à Bakou. La semaine dernière, donc c'est bien le McLaren, le pilote McLaren en forme sur cette fin d'année. Absolument. Et Totti 7e. Et puis je sais qu'il y avait Alexandre 9, Fafa 10. Mais C'était c'est les deux Canada pilotes qui est Aston Martin. 8e. Hein. Ouais, 8e, c'est C'est ça, 8e Canada qui Cana. était. Et les deux pilotes Aston Martin, 9 et 10. Donc Voilà. c'était Alexandre et Fafa. C'est dommage, Ouais. hein, les pénalités. On pénalisait certains, on avantageait d'autres, ouais, ça a quand même fait du grabuge quand même. En Ça a quand tout même fait du grabuge. cas, voilà pour la catégorie F1 qui va pouvoir, enfin, à part League Cup pour certains, qui va pouvoir se reposer maintenant durant la trêve hivernale. Voilà Clouse Coco qui finit tranquille cette première partie de saison invaincue. 8 courses, 8 victoires. Ouais. GG, n'importe quel fait de course qui est arrivé, il a toujours géré sa course. Franchement, bravo Clouse, tu mérites amplement là, ta première place. Et derrière, bah, merci à Régis, Darko et puis Michoumi, hein, parce que Ouais. ça se bat quand même fort pour cette place de second. Donc il n'y a pas beaucoup d'écart hein, entre ces pilotes, hein, comme je te dis, au classement, là, bon, il n'est pas actualisé par rapport à ce soir, mais Régis à 79, Darko 66, Totti 57, Vaillant 56, ben, il marque pas de points ce soir, Mann, il va marquer de gros points ce soir, il a 49, donc tu vois, c'est pas mal, Ouais. hein. C'est pas mal. Bon, bah écoute, nous, on va se dire à jeudi. À jeudi sur la piste. Tu fais un training, là, dans la semaine? Je vais couper le live, on Ouais. va dire au revoir à tout le monde. Ouais. Merci à tout le monde de nous avoir suivis et puis on se retrouve, nous les pilotes R2 sur la piste, pour en découdre au Grand Prix du Canada, en espérant, qu'il y aura de belles bagarres avec beaucoup de respect Et qu'on a un défi à relever hein, au niveau des pénalités. Hein. Est-ce qu'on Ouais. va en avoir plus que les pilotes Non, non, il faut eux? qu'on en aille moins, il faut qu'on en aille moins. Oui. Il faut qu'on en aille moins. Et puis bah sinon on souhaite de passer de bonnes fêtes aux pilotes Ouais. ER1 qui ont fini une partie de la saison de l'année 2022 et on se retrouvera Effectivement. en Joyeux fêtes 2023 pour le de Grand fin Prix d'année de Silverstone, Grand Prix à la d'Angleterre. bougie. Ouais. Où là les Grands Prix européens vont faire leur retour et ça va plutôt être cool. Bon, Canada, non, Canada c'est pas en Europe, donc oui, à partir de la Non. prochaine fois, ça sera. Ah non, ça c'est. Oui, c'est pas en Europe, bien sûr. Et c'est ce que je dis, donc la prochaine fois, ça sera Silverstone, je crois, et après il y aura Autriche, après il y a le Grand Prix de France, donc là on retourne dans les circuits européens, circuits plus traditionnels, avec Il n'y a Spa. pas. Oui. Donc Oui, c'est vrai. ça va être cool.